Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Glitch Fun. Les potos, je vous représente le glitch parce que j'ai un peu modifié la façon de le faire. Donc je vais éviter d'aller switcher les véhicules dans mon complexe. D'accord, ça m'évitera que le camion disparaisse à chaque fois et d'aller le chercher à chaque fois. Donc on va faire ça avec des Fadjo, un ami, une voiture de PNJ, un camion mobile rempli. Donc on le remplit avec un Fadjo et il va vous falloir un complexe plein parce qu'on va avoir besoin de tous ces messages. D'accord. Donc peu importe le complexe que vous aurez, il va vous falloir le mettre le plus près possible et pas trop près non plus parce que sinon vous n'aurez pas le rond bleu. Ok. Il va vous falloir mettre un Fadjo à l'intérieur. Vous le sortez, vous le rentrez, il vous faudra avoir la cinématique avec la rampe du camion. Donc comme d'habitude. Donc là on est 3 les gars, mais c'est à 2. Là on est 3 parce que bon, on est 3 et on se donne des coups de main, ça va encore plus vite. Donc j'ai pu vous montrer dans un autre sens. Parce que là si j'aurais fait ça, le véhicule de PNJ aurait disparu. Hein. On le sait tous. Donc votre ami, il faudra qu'il vous aide. Ce sera celui qui va vous donner le véhicule. Il faudra qu'il vous aide avec un camion assez costaud pour pas perdre de temps. Bon, ça peut marcher avec une voiture, on n'est pas loin. Si vous êtes au complexe des éoliennes, c'est le top. Et certains complexes, ça va être compliqué. Parce que si vous devez être sur la route, qui est en roue ou quoi, vous allez galérer, mais ça marchera quand même. Donc une fois que vous avez vu la cinématique, vous avez mis un Fadjo à l'intérieur. On va prendre une voiture de PNJ. Mon ami, vous avez vu, il est sur la dalle, prêt à me pousser. Donc lui avec le camion, il va me pousser jusqu'à mon camion là-bas. Donc du message complexe à mon camion en moque. Maintenant, je vais aller dans le message complexe plein. Donc, j'ai acheté 5 ou 6 Fadjo que j'ai mis un peu partout, sauf dans un QG de motard, bien sûr, parce que ça acceptera pas les véhicules. Ça va vous permettre de switcher rapidement les véhicules. Donc, j'aurai juste à rappeler un Fadjo pour pousser le véhicule qui est à l'intérieur. Ma duplication, mon don de véhicule. Les gars, un petit pouce, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et pour les petits levels, profitez, faites-vous donner un Nelegi Custom Retro Full pour vos glitches. Elle vaut 970 000 dollars. Donc là, mon pote, il est en train de me pousser. Dès qu'il va me dire c'est bon, il va préparer un véhicule avant de me dire c'est bon. Il va me placer, il va appeler un véhicule qu'il veut me donner et il va me le mettre sur, à gauche du camion. Dès qu'il a mis le véhicule à gauche du camion, il va me dire « Ok, moi je vais faire X, flèche de droite, X. » Et ensuite, je vais spammer triangle. En spammant triangle, je vais monter dans son véhicule. Je serai bugué. Ne bougez pas la direction, rien. Vous avez juste à spammer triangle. Et vous allez réapparaître dans votre camion avec son véhicule qui vous appartient. Les potos, il est énorme ce glitch. Je le répète encore une fois. Pour pas perdre le glitch, pour pas être patché, parce que demain il risque de plus exister ce glitch. Vous allez, avant d'éteindre votre console, vous allez aller en mode histoire, Franklin, peu importe. Et ensuite, vous allez mettre votre console en mode repos. Et vous verrez que demain, vous n'aurez pas eu le patch. Même s'il y a des véhicules nouveaux et tout, vous aurez accès et vous n'aurez pas eu le patch. Là, vous voyez, j'ai fait X, flèche de droite, X. Et là, je fais triangle. Hop, vous voyez, je monte dans le véhicule que Kevin m'a donné. Et bim, au calme. Donc, je vais vous le refaire parce que je vais vous montrer que je switch un véhicule.
Donc là, ce que je viens de faire, c'est indispensable. Il vous faut sortir le véhicule et le re-rentrer. Ou sinon, vous allez perdre votre duplication, vous allez vous retrouver avec un véhicule de PNJ. Donc c'est pas le but. Donc absolument sortir et re-rentrer le véhicule que vous venez de faire. Allez, maintenant pour recommencer. Bon, là, le camion il a bugué. C'était pas prévu. Normalement, il reste à la même place. Il n'y a pas besoin de faire cette manipulation. Mais là, ça a fail un peu. Mais bon, c'est toujours bon. Alors, je vais l'aider, les gars. On va reprendre les choses. Allez, on récupère le véhicule de PNJ, on le ramène au camion. Et je vais vous refaire la manipulation. Donc il faudra que je switch un Fadjo à l'intérieur. J'appelle un Fadjo. Et on va pousser la duplication que j'ai fait tout à l'heure pour en recommencer une autre. Votre ami vous prépare un autre véhicule. Vous sortez, vous prenez le véhicule de PNJ. Vous remettez dans le message. Complexe plein, dès que votre pote il vous a poussé. Et vous mettez le véhicule sur la gauche. Dès qu'il est opérationnel, il vous dit c'est OK. Vous avez juste à faire X. Flèche de droite, X. Voilà les poteaux. Impressionnant comme il est facile. Après, dès que vous avez fait ça, vous avez juste à faire triangle pour monter dans le véhicule qu'on vous a donné.
Super facile. N'oubliez pas de le sortir et de le rentrer, les gars. Les potos, abonnez-vous. Rejoignez le crew à DH. Donc on a besoin de vous. Plus on est de fous, plus on va rire. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à dimanche pour le live, les potos. Gros don de véhicule, là, avec ce glitch, on va pouvoir se gaver. Parce que tout le monde va réussir. Et je vais essayer de vous récupérer le maximum cette semaine de véhicules, un peu à tout le monde. Et comme ça, je pourrai vous les refiler. Voilà, les potos. Je vais vous en refaire une pour le fun. Je vous fais une grosse bise. À bientôt.